celui qui donne le coup d'envoi, appelé interprète. Lui, c'est le interprète. Parce qu'il y a deux tam-tams. Il y a un mâle, un tam-tam mâle et un tam-tam femelle. Comme vous le voyez, ça c'est le mâle, ça c'est le tam-tam femelle. Comme on dit le tam-tam, je dis le tam-tam femelle. Voilà. Il faut forcément des bois. Il n'y a pas un bois spécifique pour taper le tam-tam. Seulement que le bois soit un peu crochu. Vous voyez? Et puis, on tape sur les bouts pour ne pas que ce soit pointu, pour éviter que le tam-tam se perce. Lorsqu'on joue, vous voyez? Ça fait que c'est mou. C'est mou. Donc, ce n'est pas pointu. Quand c'est pointu, ça perce le tam-tam. Puisqu'on joue avec voilà, une aisance et puis voilà, une force. Quand tu es beaucoup excité, là, tu ne fais pas attention, mais quand les bouts ne sont pas pointus, ça ne pèse pas le tam-tam.